Bientôt le jour se lèvera, la lumière Bientôt le jour se lèvera et l'amour Thank you.
qui nous rassemble. Il est le prince de la paix. Il est le motif de notre espérance. Il nous a convoqués à Saint-Louis pour mieux le connaître, mieux l'aimer et témoigner de lui. Et nous avons répondu oui dans l'espérance qui nous habite. Alors que le Seigneur soit au milieu de vous tous, qu'il vous comble de sa paix et de ses bénédictions. Au début de cette Eucharistie, reconnaissons-nous pécheurs et tournons-nous vers le Dieu miséricordieux en invoquant son pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais dans mon cœur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Accorde-nous, Seigneur notre Dieu, de pouvoir t'adorer de tout notre esprit et d'avoir envers tous une vraie charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles.
Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple, au milieu de vous, parmi vos frères, le Seigneur votre Dieu fera se lever un prophète comme moi, et vous l'écouterez. C'est bien ce que vous avez demandé au Seigneur votre Dieu, au mont Horeb, le jour de l'assemblée, quand vous disiez, je ne veux plus entendre la voix du Seigneur mon Dieu, je ne veux plus voir cette grande flamme, je ne veux pas mourir. Et le Seigneur me dit alors, ils ont bien fait de dire cela, je ferai se lever au milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai dans sa bouche mes paroles et il leur dira ce que je lui prescrirai. Si quelqu'un n'écoute pas les paroles que ce prophète prononcera en mon nom, moi-même, je lui demanderai compte. Mais un prophète qui aurait la présomption de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais pas prescrite ou qui parlerait au nom d'autre Dieu, ce prophète-là mourra. Parole du Seigneur. Jésus, accompagné de ses disciples, arrive à Capharnaüm. Aussitôt le jour du sabbat, il se rendit à la synagogue et là, il enseignait. On était frappé par son enseignement, car il enseignait en homme qui a autorité et non pas comme les scribes. Or, il y avait dans la synagogue un homme tourmenté par un esprit mauvais, qui se mit à crier, que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais fort bien qui tu es, le Saint de Dieu. Jésus l'interpella vivement. Silence, sors de cet homme. L'esprit mauvais le secoua avec violence et sortit de lui en poussant un grand cri. Saisis de frayeur, tous s'interrogeaient. Qu'est-ce que cela veut dire? Voilà un enseignement nouveau, proclamé avec autorité. Il commande même aux esprits mauvais
et ils lui obéissent. Dès lors, sa renommée se répandit dans toute la région de Galilée. Vendredi 26, samedi 27 et dimanche 28 janvier 2024. Trois jours, tridoum de joie spirituelle et fraternelle. Nous rendons grâce au Seigneur, chers jeunes, lui qui vous appelle, lui qui vous réunit, pour partager ensemble la joie de croire. Andebek Chingemgi, pour renouveler votre ardeur à témoigner de lui dans votre vie quotidienne, non seulement par des discours, mais en acte et en vérité. Djogéfi, Delu Tisenimbir, Gunodon Isede Christa, you takute sawar, chiwa, nam, way itam chiay jif, chiay jiko, yimengo, ak linyu borompi, yebal. Chers jeunes, la cérémonie d'accueil de la croix descendant sur le fleuve hier soir n'est pas un simple folklore. C'est une véritable profession de foi en Jésus, notre Sauveur. Et la croix est le signe de cet amour. La croix est le signe de cet amour. Car il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Oui. La croix. C'est pourquoi je comprends parfaitement que quelques-uns aient voulu braver le service d'ordre hier soir, rien que pour toucher la croix. Mais la foi demande plus. Elle doit susciter une adhésion et un engagement. Bokay ngam ken duko tayle duñu ko dendal ak dara ci soufsi du alal du liguey du position du ngour du jabar du jeuker la foi avant tout. Voilà la parole de Dieu. Permettez-moi à présent de revenir tant soit peu sur le thème des JMJ. Ceux qui espèrent dans le Seigneur, encore ceux qui espèrent dans le Seigneur, espérez dans le Seigneur. Yakar ci Yalla. Mo jur lepp. Mo la taxa dem. Espérez dans le Seigneur, entendez aussi les autres vertus qui se réfèrent à Dieu,
qui conduisent à lui, qui ont sa source en lui, appelée justement vertu théologale. C'est donc à la fois aimer Dieu et croire en lui. Ceux qui espèrent dans le Seigneur, ceux qui aiment le Seigneur, ceux qui croient dans le Seigneur, marchent sans se fatiguer. Ceux et celles qui veulent aller loin, avancer, réussir, ce n'est pas sans Dieu, toujours avec Dieu. Nous progressons dans la vie, véritablement, sans nous perdre, sans nous décourager, si et seulement si nous comptons sur Dieu. Chers amis, le propre de la jeunesse, c'est quoi? Le propre de la jeunesse, à mon avis, c'est trois caractéristiques principales. Vous pouvez compléter si vous voulez, mais j'en vois trois. La première, c'est le dynamisme. La deuxième, c'est la générosité. Et la troisième, l'ingéniosité. Dynamisme, générosité, ingéniosité. Tchiwolof, Tchawarte, Yemen ak Harin. Ça donne ceci. Un jeune, et j'en fais partie, hein. Un jeune, je crois, doit être dynamique. Ouais, Baylen. Baylen, Djahan. Bachahan. Nanyu Bayi, Banque Loho. Harial. Togrek, Di TikTok. Wow, amni ñi tok di TikTok du matin au soir et du soir au matin. Waxuma ne TikTok baxul de na leer té sax tek ci ngay saratu connexion partage. Lolu moy yafous ak tayel. Le pape François l'a dit, et je le dis souvent aussi, à le reprenant, il a dit, il y en a qui ont déjà pris la retraite à 18 ans. Blen bokou ci ñooñu. Soyons des jeunes vivants et dynamiques dans notre église et dans notre pays, qui a besoin de notre force ici et maintenant, pas demain et ailleurs, ici et maintenant. Prenons nos responsabilités. Banya rirondo ak li rire. Attention donc aux vendeurs d'illusions, comme ceux qui vantent la migration en Europe. Attention. Dynamisme n'est pas djaydolé. Surtout ci linara yak ak ye fitna. Lolu du dynamisme bi may waxal. Du woné sa dolé. Le dynamisme dont je parle va dans le sens du bien et a un lien avec la deuxième caractéristique, qui est la générosité. Le jeune doit être généreux. Chers jeunes, soyez généreux dans le service de l'Église et de notre pays. Soyez généreux dans le travail qui vous est confié, sans calculer l'heure de la descente
à la seconde près. Encore qu'il faille d'abord arriver à l'heure. Soyez généreux dans la protection de l'environnement pour votre bien, pour votre avenir. Soyez généreux dans le soin de vos parents malades ou dans l'aide à toute personne qui est dans le besoin. Soyez généreux. Générosité rime, vous le savez, avec gratuité. Defal nit ki te yalla rek ka tax ak mo jafé. Troisième caractéristique de la jeunesse, l'ingéniosité. Être ingénieux, c'est oser rêver. Mais ne pas s'arrêter au rêve. Hein. Oser rêver et se déployer, se dépenser totalement pour réaliser son rêve. C'est s'investir réellement, dès aujourd'hui, à construire son avenir. Car demain, c'est déjà trop tard. Ingénieux, paré péhé ak passe-passe. À chacun, à chacune, d'inventer son chemin. Car nous sommes tous et toutes différents, différentes les uns les unes des autres. Rappelez-vous l'évangile des talents. Chacun, chacune, doit faire preuve de savoir-faire dans sa vie, d'ingéniosité pour se frayer le chemin de sa vie, pour franchir les obstacles et les difficultés, pour relever les défis. La vie est dure, disait hier un évêque aux jeunes. La vie est dure, il faut combattre. Il faut lutter. Il faut croire en soi, en ses capacités. Gëm sa bop. Baña xeb dara ci lalay jëm lo kanam. Moy ingéniosité. Baña wax rek Yalla jéxul. Yalla jéxul way na fekk nga sabablu. Def sa kem katan ngir jot sa yene. Kon na ngeen ciap lolu. Jeunesse égale dynamisme, générosité, ingéniosité. Enfin, chers jeunes, marcher, oui. Mais marcher ensemble, en église, car c'est Jésus qui le veut ainsi. Nous sommes une famille, une communauté. Marcher ensemble en église, c'est aimer l'église. C'est être en communion avec le pape et avec les évêques. Être en communion, surtout en ces temps. Vous savez ce dont je parle. Être en communion avec le pape et avec les évêques. C'est plus concrètement s'engager de maintes manières au service de sa paroisse, au service de sa communauté, au service de son diocèse, au service de l'Église, selon notre position et nos capacités. Au niveau de la société et du pays, c'est bâtir ensemble un Sénégal de justice et de paix et un monde de fraternité. Chers jeunes, voilà notre message pour vous, au nom du Seigneur Jésus-Christ, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen.
amis croyants, au terme de cette belle célébration qui nous a nourris autour de nos pères évêques, permettez-moi de prendre la parole pour exprimer ma gratitude au Dieu de qui vient toute grâce. Gloire à son nom. Depuis l'annonce de l'accueil des Journées mondiales de la jeunesse dans notre diocèse, vous avez été nombreux à recevoir des sollicitations de notre part. Sollicitations auxquelles vous avez répondu favorablement, sans hésiter. Pour cela, nous vous disons Djarama. Comme il dort, metti won na trop ngén djapti. Muy continuer di metti ngén djapti. Mu dem ba soti Yalla sutural len. Yalla len Yalla fay lepp li ngén def pour li meuna am ci barke Jésus Christ. Que grâce et bonheur vous accompagnent tous les jours de votre vie. Je suis honoré de me tenir devant vous aujourd'hui à l'occasion de la Journée mondiale de la jeunesse. Cette journée qui est un moment privilégié pour célébrer votre énergie, votre enthousiasme et votre engagement envers un avenir meilleur. Le thème de cette année, ce qui espère dans le Seigneur, marche sans se fatiguer, résonne profondément et sans doute avec la force et la résilience que vous incarnez, vous, jeunesse chrétienne. Force que vous incarnez dans vos parcours individuels et collectifs. De même, je voudrais vous dire que je suis très reconnaissant d'avoir aujourd'hui l'opportunité et le privilège de m'adresser à vous aujourd'hui sur un sujet qui tient particulièrement à cœur les pouvoirs publics. L'importance des jeunesses chrétiennes. Sans doute, les JMJ offrent une occasion unique aux jeunes catholiques de se rassembler dans la foi et la ferveur religieuse aux côtés de leurs évêques pour communier, partager leurs expériences et surtout discuter de leur devenir dans l'Église et dans la société de manière générale. Ces rencontres, pour le président Macky Sall et pour son gouvernement, sont plus que de simples événements religieux. Ces rencontres sont des moments de communion profonde où la jeunesse catholique renforce ses liens avec la foi, avec l'Église, mais aussi et surtout avec la société. C'est pourquoi, chers évêques, je voudrais, au nom du chef de l'État et de la nation toute entière, magnifier l'engagement et la discipline exemplaire de la jeunesse catholique. Qui porte d'ailleurs fièrement les couleurs de la République en vert, en jaune et rouge, ajouté du blanc immaculé. La jeunesse catholique, dont les qualités remarquables méritent d'être magnifiées et célébrées. Chers jeunes, votre engagement envers votre foi, votre communauté et vos valeurs est une source d'inspiration pour nous tous, sans doute. Votre dévouement et votre espérance en un avenir meilleur témoignent de manière éloquente de la beauté et de la puissance de la foi chrétienne. Parlant des qualités de la jeunesse chrétienne, comment ne pas se rappeler du pape Jean-Paul II qui, après nous avoir donné cette plateforme d'expression de notre foi, de notre espérance et de notre engagement, nous dit avec modestie, ce sont les jeunes eux-mêmes qui ont inventé les JMJ. En abordant le thème de l'espérance, je souhaite souligner qu'elle est bien plus qu'un simple concept. Elle est une vertu théologale fondamentale dans notre société, souvent marquée par l'incertitude et les défis. L'espérance est un phare qui guide nos pas et nous donne la force de persévérer dans l'adversité. C'est cette espérance nourrie par notre foi qui nous permet justement de marcher sans se fatiguer. C'est vrai, depuis que nous avons travaillé, l'avenir de plus en plus parfois s'assombrit, mais continuons à espérer avec la foi de Jésus-Christ, avec l'accompagnement de la foi chrétienne, mais aussi et surtout avec les efforts du gouvernement, avec Bidina Bach, Inch'Allah. À qui appartiennent
honneur et gloire pour les siècles des siècles. Excellence, votre présence à ces JMJ de Saint-Louis traduit encore une fois votre cœur de paix et votre attachement à cette jeunesse qui vous est particulièrement chère. Vous avez été présent à toutes les activités qui ont jalonné le déroulement de ces JMJ. Vous nous montrez ainsi et de façon concrète que ceux qui espèrent dans le Seigneur marche sans se fatiguer. Excellence, toute cette jeunesse vous dit sa profonde gratitude et surtout son amour pour vous. Chers jeunes pèlerins des JMJ, que vous dire pour votre mobilisation à participer à ces JMJ? Venant de tous les diocèses de notre pays et de la sous-région, Mauritanie, Gambie et même du Cap-Vert, vous vous êtes levés comme un seul homme pour répondre à l'appel de notre foi en Dieu, notre Père, et en son Fils, Jésus-Christ, qui nous convoquait à Saint-Louis. Alors, merci pour cette expression de votre foi. Vous faites notre fierté. À tout Seigneur, tout honneur. Excellence, Monseigneur André Gueye, administrateur apostolique du diocèse de Saint-Louis. Chers jeunes du diocèse de Saint-Louis, le challenge était immense, mais vous l'avez relevé admirablement. Accueillir autant de jeunes et pendant 3 jours n'est pas chose facile. Vous nous avez montré votre dynamisme, votre ingéniosité et votre communion. Merci, merci et merci. Je voudrais avoir une attention particulière pour notre aîné dans le sacerdoce, Monseigneur Ernest Sambou, qui a été évêque de ce diocèse pendant des années et qui fait maintenant valoir ses droits à la retraite. Merci Ernest. Merci à vous. Avec vous, je voudrais vraiment féliciter chaleureusement votre administrateur apostolique, Monseigneur André Gueye. Pour le travail d'union qu'il a su mettre ici en valeur, pour permettre ces journées mémorables. Monseigneur Gueye, merci beaucoup. Alors, chers jeunes, je voudrais terminer par là. Il est bon de célébrer la foi. Il est encore plus beau de la vivre. Aujourd'hui là, on vous a donné depuis plusieurs jours des vitamines et des fortifiants pour que vous soyez des bons chrétiens, pas seulement à l'église, mais dans la société et dans vos lieux de vie. Alors que le Seigneur, par son Esprit Saint, vous accompagne partout. Dopés par l'espérance de Jésus-Christ, soyez témoins de son amour. Merci. Ce rassemblement quinquennal nourrit notre communion et nous envoie vers nos instances diocésaines. Le match a débuté ici. Nous l'avons joué ensemble et je suis sûr que si nous n'avons pas gagné, il n'y aura pas de prolongation. Mais ce match
va encore avoir lieu. Ce marche nous envoie vers nos instances diocésaines et dans 5 ans, en 2029, pour la prochaine édition interterritoriale des JMJ, nous nous donnons rendez-vous. Nous irons encore plus loin. Ceux qui espèrent dans le Seigneur, alors nous irons à Kolda. Sois béni. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que le Dieu de tout réconfort dispose vos jours dans sa paix et vous accorde les bienfaits de sa bénédiction. Qu'il vous délivre sans cesse de toute inquiétude et affermisse vos cœurs dans son amour. Riche d'espérance, de foi et de charité, puissiez-vous mener votre vie présente en portant du fruit et parvenir avec bonheur à la vie éternelle. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez porter l'Évangile du Seigneur. Seigneur, c'est le jour de sa joie et sur ta